Départ. Allez, à plus. Viens à Clamecy. Ouais. Oh. Ah, à Clamecy, tu reviens avec toi, après on te filme. Avec toi. Ouais. Hein? Je vais faire feu, là, ouais. Donc, t'as le 3-0 en KVB, donc c'est limité à 10 à l'heure au signal. C'est pour ça qu'il a. Limite à 10 à l'heure. On va passer devant le P5 de la Roche-Migène, le poste 5. Donc à gauche, on a aussi la rotonde, hein, si comme disait mes collègues, la rotonde, tant qu'ils étaient classés, monument, je ne sais pas si ça sera classé. On va passer devant la rotonde à gauche. Et donc là, l'aiguille, on peut, comme disait tout à l'heure, l'aiguille peut partir sur Dijon, quoi, le raccordement de Dijon. Donc là, on arrive, donc là, on est sur voie du Morvan, donc c'est la ligne de Nevers-Cône. Hein. Voilà. On est en double voie jusqu'à Chemilly à Poigny. On est en bloc manuel. Hein. Donc là, l'ancienne halte de Chenille, hein. L'ancienne halte va s'arrêter de Chenille. Hein. En tout cas, t'as bien route, content, tu roules ici, tu connais bien le Morvan, toi, un peu. Donc là, on roule toujours à 120 km/h, là encore, à 120 jusqu'à Auxerre. Et après 110. Donc là, on tombe sur un disque de pleine ligne, là. Donc il protège l'embranchement de Bonnard-Bassou. Donc c'est l'ancienne gare de Bonnard-Bassou. Il y avait un bâtiment voyageur avant qui était détruit, hein, à gauche, hein, une grande gare. Hein. Donc ici à la distance de la gare de Chemilly. Bon, la gare de Chemilly à Poigny, hein. Voilà. Donc il y a encore un PN gardé, encore. Il n'y a plus tellement de PN gardé, c'est rare maintenant le Morvan. Hein. À peine gardé, il n'y a plus que celui-là, il n'y a pas d'autre aussi, non, plus que celui-là, qu'en peine gardé. Donc là, on arrive sur le tronçon de voie unique de Chemilly à Clamecy. Hein. Et donc, on peut même s'apercevoir qu'il y a l'ancienne plateforme. Avant, il y a deux voies, c'était double voie ici. Donc, à la plateforme, la deuxième voie à droite. Alors, apparemment, moi, les anciens m'ont dit que c'est pendant la guerre, les Allemands qui ont tiré le rail pour faire des canons, apparemment. Parce que c'est ça, c'est d'en tirer du rail pour fondre le rail. Faire des canons pour l'armée. Auxerre Saint-Gervais. Là c'est pareil, on peut faire des bivarcations, on peut aller soit sur soit qu'on va aller sur Cravant. Ou soit à droite, la ligne Saint-Amat, ça allait sur Toussy-Moulin. Il y avait une bifurcation ici avant. Mais moi, je n'ai pas connu non plus. Hein. On allait juste desservir Saint-Amat en primeur à l'époque, en voie unique, quoi, juste desserte fret. Et là, il y a une bifurcation. Enfin, c'est une coulée verte, il y a une coulée verte maintenant, je crois, pour aller au stade. Tu as une coulée verte à droite. Je sais. Ouais, bah, c'était l'ancienne ligne qui montait à Saint-Amat. Ouais, elle est fermée, ouais. Ouais, bah, j'ai connu, il y avait les wagons. Pas connu, hein. Ouais, on montait les wagons là-haut.